ton cheval. Wow. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the fuck the morning. Everybody else. Bye. Bye. Good morning. Oh, what the fuck? J'ai pas vu ma face. Bienvenue dans ton vlog. J'avais pu vous faire un petit vlog aussi, genre back to school, où est-ce que je vous montre comment moi ça fonctionne mon uni, parce que je mets cours d'université online. J'aimerais ça savoir, toi, t'étudies en quoi? Puis t'es à quelle école? T'es à quel niveau? T'es-tu primaire, secondaire, cégep, université? Fait que là-dessus, moi et ma tasse cheval, on vous dit. En tout cas, passons la journée ensemble! De stats. Un cours de statistiques appliquées à la gestion. C'est pas un cours que je préfère en ce moment. Dans le fond, juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne mes cours online, cette session, j'ai décidé de prendre 4 cours. Moi, seulement, je peux vous montrer un peu comment que je fonctionne. Dans le fond, comment que c'est fait, c'est que pour chaque cours, il y a comme un site web. Oh my god, fuck, j'ai pas touché ici. Oh non, il est pas bien. Oh non. Mais ça, s'il te plaît! C'est tellement la pire affaire au monde. Avoir un laptop pogné dans le lit. Bon, ok, j'essaie de continuer. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a un site web qui est fait par le prof. C'est séparé en semaines. Donc, chaque semaine, c'est comme une séance de cours. Donc, un nouveau chapitre souvent dans le manuel. Puis pour chaque séance, dans le fond, souvent, c'est comme, ok, ben, faut que tu lises un chapitre du cours. Il faut que tu fasses les exercices associés pour assimiler la matière. Et puis pendant la session, il faut que tu remettes 3 travaux notés. Ou souvent, c'est comme 3 évaluations online. Et à la fin de la session, tu fais un gros examen final que tu dois aller en vrai dans un établissement scolaire puis tout pour le faire. Dans le fond, si t'es quelqu'un d'organisé et à ton affaire, en temps normal, tu progresses semaine par semaine puis tu te donnes 15 semaines pour faire la session au complet. Mais moi, évidemment, je suis pas comme ça. Parce que dans le fond, il n'y a aucune date qui est comme obligatoire à part la date de fin de cours qui est la date pour laquelle tu dois avoir compléter toutes tes évaluations online, tous tes travaux notés. À partir de cette date-là, après c'est l'examen final comme 2 semaines après. Vu qu'il n'y a comme pas de deadline pendant tout le reste de la session, tu peux autant faire ta session et d'ailleurs sur 15 semaines que tu peux la faire en une semaine. Si t'es un petit peu fucké comme moi. Moi dans le fond j'ai comme pas mal rien fait dans ce cours-là dans les 15 dernières semaines. Et puis je vais avoir remis tous mes travaux dans 10 jours. Fait que là cette semaine je me suis donné vraiment intense pour avancer tout le cours d'un coup. Là ça fait 2 journées complètes que je fais vraiment 100% juste ça. Sérieux ça va quand même vite. Je suis quand même très fière de moi et impressed by myself. Je suis rendue déjà à la semaine 7-8. Donc quasiment à la moitié. Puis j'ai fait ça en 2 jours. Fait que là en crise. I'm proud of you Lucy. Une petite tape sur les bons. Yeah. Puis moi dans le fond comment que je process c'est que je lis le manuel puis en même temps de lire le manuel c'est vraiment important d'essayer de faire genre de la lecture active. Fait que c'est ce que j'essaie de faire prenant des notes à la main, genre toutes les formules importantes puis tout, les notes à la main. Puis j'ai highlight avec mes petits highlighters colorés comme ça. Puis j'écris un peu la matière ici. À la main, j'écris surtout des trucs que c'est comme de calcul. Puis j'ai aussi mes notes sur l'ordi. Donc j'ai un dossier Word parce que dans ce cours-là, par exemple, il y a des parties qui sont plus blabla, analyse. Fait que ça, je vais l'écrire à l'ordi. Puis il y a des parties plus calcul. Puis j'en mettons avec Excel puis tout. Fait que je vais plus le noter là. Fait que j'ai comme 2 endroits où est-ce que je prends des notes. J'aime tellement mieux faire mon université comme ça, puis faire mes cours comme ça. Puis en ce moment, vu que j'ai une job qui est full-time, puis que je vais aussi à l'école pratiquement full-time, tu sais, il faut que je sois capable de gérer mon temps, puis de tout le temps avoir des journées productives. Tu sais, j'ai pas le choix de genre run this shit, puis être efficace. À partir de là, si toi, ça t'intéresse, tout ça, c'est difficile. Faut avoir la motivation, faut être déterminé, faut être organisé. Fait que, honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment juste une question de te planifier dans ton horaire les journées que tu fais, tes journées unies. Je suis certaine qu'il y a plein d'autres gens ici qui écoutent cette vidéo. Puis que dans le fond, ils sont dans le système scolaire traditionnel, ils ont de la misère à apprendre, ils ont des notes de marde, mais c'est juste parce que c'est un système qui ne fit pas avec leur type d'apprentissage. Il y en a du monde qui sont autodidactes, moi c'est comme ça, puis j'apprends vraiment mieux comme ça, puis je suis certaine qu'il y en a plein qui écoutent ça en ce moment, qui vous êtes comme ça aussi. So, yeah, donc, je vais vous donner un petit peu plus d'infos par passé parce que je reçois toujours des questions sur ben, mon uni, mes cours. Là, j'ai fini ma petite avant-midi de university. Fait que là, pour le reste de la journée, continuer avec un work day, so let's get moving!
just what you want. Ok, là faut vraiment que je me fucking bouge le cul. Cause I'm gonna be late. Fuck! Le pire c'est que à chaque fois que je dois aller à quelque part, genre pour un meeting ou whatever, tu sais, des trucs importants, je commence toujours à me préparer trop tôt, puis je suis toujours en retard. Puis à chaque fois je me dis next time, je vais commencer à me préparer plus tôt. Puis à chaque fois je le fais pas, puis je suis encore en retard. What am I gonna learn? I don't know. I think I'm just a stupid bitch. Je vais essayer de faire mon make-up en genre 5 minutes. J'ai dit où est-ce que je m'en allais en plus. Fait que je pense que j'ai oublié. Dans le fond, là, il faut vraiment que je me trouve un outfit genre girl boss, power girl, power woman, strong, independent woman that don't need no man. Parce que là, j'ai été invitée à un lunch avec 25 des femmes les plus influentes et entrepreneurs du Québec. Fait que c'est vraiment malade. Puis, ben, il faut que je sois en pointe, ok? So, let's try to find the badass and boss girl outfit. Bon, j'ai encore de figure si je me sais avec cette veste, ou sinon j'ai une veste noire, ou sinon j'ai une beige, mais là il faut vraiment que je get moving. Puis je suis déjà là, fin que je me suis commandé un fucking Uber parce que j'ai pas pour le temps de rendre en transport en commun. Avant de partir, the final touch. Ça fait des années que j'utilise le même parfum, mais là, I'm growing up, I'm getting older. Fait que j'ai décidé d'essayer un nouveau parfum. Puis en ce moment, j'essaie ce petit parfum-là qui est le Azzaro Wanted. Je trouve que l'odeur représente vraiment mon vibe d'aujourd'hui. Donc, girl boss, girl power, strong and independent woman. Je trouve qu'il sent un petit peu plus genre mature. Fait que, yeah, I really like it. Maintenant, let's get moving cause I'm late. Le char du lunch avec les autres femmes entrepreneurs, tout ça, honnêtement c'était tellement nice, tout le monde était tellement inspirant, puis genre toutes les femmes avaient fucking des, vraiment des expériences incroyables. Là je m'en vais à un meeting pour une compagnie, parce que là dans le fond on va travailler notre pitch parce que je risque d'être réalisatrice dans une web série, puis là il faut pitcher l'idée à la compagnie pour qu'elle me fasse ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas ça va faire ça. So, meeting time! Finalement de retour chez moi. Sérieusement, c'était vraiment une grosse journée. Bonne grosse journée. Mais là, je suis so tired. Là, j'ai pris ma petite douche, je me suis démaquillée. J'ai mis ma petite robe de chambre confortable. Dis-moi dans le commentaire, toi, t'es quel genre de personne? T'es-tu le genre de personne que t'arrives chez vous et tu restes habillée comme que t'es? Ou t'es le genre de personne que, à la seconde que t'arrives chez vous, t'as pas le choix de te mettre en mou? Puis de te mettre comfy. Moi, dans mon cas, je suis l'option number two. Genre, impossible que j'inflige à mon corps d'être inconfortable une minute de plus. Fait que c'est pas mal tout pour ça, les cocos. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis sinon, on se voit dans une prochaine vidéo, les cocos. Bye, je vous aime. Bye!